Aujourd'hui, le Tour de France fait étape à Épernay. Eh bien moi, j'ai décidé de vous emmener à quelques kilomètres d'ici, découvrir l'Hôtel Dieu de Château-Thierry. Fondé en 1304, l'établissement y accueillait pauvres, pèlerins et malades. Il fermera ses portes en 1982 en raison de sa vétusté. Mais grâce au jeu Mission Patrimoine, l'édifice va renaître de ses cendres. Thomas est le conservateur du lieu. Quand je suis monté pour la première fois dans les salles de l'Hôtel Dieu, on sentait tout le poids des époques qui s'y étaient succédées. Ce qui était préoccupant, c'est qu'on voyait des fissures qui lézardaient du sol jusqu'à la naissance du toit. Il y avait vraiment urgence à agir. Grâce au loto du patrimoine, les travaux ont pu débuter. Le fait de voir arriver les gens en tenue de chantier, vous vous dites, ça y est, on y est. On a ouvert de grands trous dans les fondations pour permettre de les inspecter et pour voir si le bâtiment est pérenne. Notre rêve, c'est d'ouvrir un grand musée d'histoire de la médecine. Ce rêve va devenir réalité. Pour continuer à apporter votre soutien, rendez-vous le 14 juillet pour le super loto du patrimoine.